Ce n'est plus un secret pour personne. Kate Middleton est enceinte de son troisième enfant. Kensington Palace a annoncé cet heureux événement au début du mois de septembre. Malheureusement, le palais précisait également à l'époque que la future maman était une nouvelle fois victime de violentes nausées dues à la grossesse. Surveillée de près par ses médecins, l'épouse du prince William a donc été contrainte de renoncer à ses engagements officiels. 6 semaines après l'officialisation de cette troisième grossesse, Kate Middleton a repris du service. En effet, la duchesse de Cambridge a assisté mardi 10 octobre à un événement caritatif. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les regards étaient tournés vers la future maman. La jeune femme portait pour l'occasion une robe bleue brodée signée Temperley. Un look classique, voire un peu trop mémérisant, mais qui mettait en évidence son tout petit ventre arrondi. Autant dire que pour sa première apparition officielle depuis l'annonce de sa troisième grossesse, Kate Middleton était resplendissante, et même si elle semblait fatiguée. En effet, si son état de santé s'améliore, la future maman est toujours souffrante. Fort heureusement, ses nausées disparaîtront au fil des semaines, permettant ainsi à la duchesse de Cambridge d'assumer pleinement ses fonctions officielles.